Oi, 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 memo. Aïe, 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 memo, ça a tout mordé pour me m'arriver. Le projet Tip for You porte notamment sur les opportunités de financement de la formation et de l'emploi des jeunes. Et quoi de plus concret que cette question essentielle du devenir de notre jeunesse? Trop souvent sans formation, donc sans emploi, et encore plus sans perspective, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour ne pas les laisser au bord du chemin. Mais avant de déclarer ce séminaire ouvert, je tenais particulièrement donc à remercier l'association Préfa 973, 97.3. Mes remerciements vont également aussi aux équipes donc de la mairie qui ont mis tout en œuvre pour que la réalisation de cette manifestation, et notamment Madame Lorraine Erec-Mock, qui a déployé un grand savoir-faire et beaucoup d'énergie pour que l'accueil à Macouria soit particulièrement réussi. Je nous souhaite donc à tous de fructueux travaux et à vous tous qui avez fait le déplacement depuis vos pays quelque peu lointains, un bon séjour en Guyane. Merci. Je suis enseignante au lycée agricole de Matiti. Voilà la présentation que je fais généralement à mes partenaires, à savoir que la Guyane est un département d'outre-mer français qui a une spécificité. Nous sommes région, nous sommes département et nous sommes les seuls en Amérique du Sud. Donc, Macouria est située entre Kourou et Cayenne. Et je le dis, on a l'or vert. C'est vrai qu'on a de l'or en Guyane, mais je dis toujours à mes partenaires, on a la plus grande richesse au monde, à mon avis, c'est notre biodiversité, c'est l'or vert que nous avons. Ces projets sont mis en place pour faire connaître sa ville. Les financements de projets existent, ils sont là. Il n'y a plus qu'à faire des projets et se lancer. Un autre projet concerne ici la conservation, la remise à neuf d'une peinture, une restauration de la peinture que vous voyez donc qui s'appelle Le Bon Semeur Jésus-Christ. La restauration de la peinture est flagrante, vous voyez la différence entre l'image de gauche et de droite. Cette restauration a coûté 8 400 €. Donc un autre projet subventionné par l'Union européenne à hauteur de 190 000 euros cette fois-ci, qui concerne la création d'un terrain de jeu pour paintball et de l'écotourisme sur tout le territoire du Sehindol. Un projet qui concerne la réhabilitation des espaces verts à Sehindol, financé à hauteur de 210 000 euros. Et puis le dernier résultat, c'est par rapport à l'éducation, l'énergie et les services sociaux. On a aussi un petit exemple. Donc, pour l'éducation, on a développé les projets qui viennent de finir ces mois d'août, qui s'appellent les School Still Place. Et c'était pour développer une méthodologie pour détecter les difficultés d'apprentissage et pour identifier les étudiants qui ont risque d'abandonner scolaire. Donc, dans la région de Valence, par rapport à la reste de l'Espagne, et le niveau c'est assez haut. Et aussi par rapport au reste du pays de l'Europe. Les projets PH2, c'est pour promouvoir les mécanismes de réinsertion grâce à une technique de psychodrama. On a travaillé le psychodrama avec des personnes qui sont en situation de chômage de longue durée. Plusieurs projets mis en place depuis 2012 jusqu'à nos jours, dont la valeur totale est d'environ 500 000 euros. Donc, ce sont des projets qui concernent les personnes âgées, les seniors, notamment via des partenariats. D'autres programmes de volontariat en ce qui concerne la municipalité et enfin l'amélioration de la garderie pour les enfants ayant un handicap. Les demandes des jeunes concernant donc cette crise économique, et ils ont fait appel à des experts pour communiquer avec les jeunes et trouver des solutions. Enfin, un projet tourné autour de trois partenaires, donc le Monténégro bien sûr, la Croatie ainsi que la Bosnie-Herzégovine, financé à hauteur de plus de 1 390 000 euros et qui concerne l'approche innovante des contenus numériques des monuments et fortifications historiques. L'objectif de ce projet
et de réinventer des forteresses couplées au développement et à la promotion du potentiel touristique existant avec une approche innovante et des contenus numériques sur les monuments de fortifications historiques de la région. La revitalisation de l'héritage culturel et historique de manière durable avec des activités de coopération culturelle vont permettre aussi d'améliorer le développement et la diversification de l'offre du tourisme transfrontalier. For hosting us in this town. Merci donc au maire de Macouria pour nous accueillir dans la ville. I have some ideas I would like to share with you for future projects. So because I know you are vice president of the Association of Municipalities in French Guiana. J'ai quelques idées dont j'aimerais vous faire part ultérieurement. Of course, a big thank you to my friend Frédéric Lumeto for the organization of this meeting, which is really, how could I say, okay, she's really punctual. Merci aussi à Frédéric qui est and, très ponctuel. Yes, I can really appreciate your efficiency. Merci de ton implication. Okay. And thank you to all the people who took part. Oh, just one word for the young people. Please keep in contact with Frédéric, because the idea of this project is to involve the young people in order to become the, how could I say, the speakers for, for the rest of the community. Un petit message à faire passer à la population locale jeune. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Frédéric hein, pour que les jeunes d'aujourd'hui, donc les futurs citoyens européens, puissent être les ambassadeurs donc, de tous ces projets-là. So the project is for them, actually, not only for their communities, to, for intercultural dialogue, but it's also for the young people, mainly, I would say, for the young people, because we want to involve them in order to build a better European Union with the young people. Ces projets sont essentiellement mis en place pour eux. Okay. Est-ce que ça concerne que les habitants de Macouria ou Cayenne, Matoury, je sais pas. La Guyane. La Guyane. Ah, en fait, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans le bénévolat là? Dans le cas du service volontaire européen, par exemple, la jeune qui va partir, elle va travailler avec une association non gouvernementale aux Canaries dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc, elle est française. Donc, elle va recevoir les jeunes Français qui vont en stage pour les aider à s'immerger à Tenerife pour se sentir plus à l'aise. Donc, c'est une association qui va organiser l'arrivée d'autres jeunes Français, qui va organiser leur hébergement, qui va aussi organiser leur visite culturelle, leur installation et éventuellement la découverte d'entreprises locales. Monsieur le maire, grâce à vous, j'espère qu'on ne va pas perdre encore 30 ans à parler et parler. Merci encore. C'est une matinée très enrichissante. Effectivement, nous avons pu voir une multitude de projets, de nombreux projets qui sont à dimension humaine, comme je le disais. Il ne s'agit pas simplement de projets financiers ou de projets politiques, il s'agit de projets humains qui peuvent avoir leur pendant sur le territoire donc, de Macouria et sur le territoire de la Guyane. Donc nous avons effectivement cette chance d'avoir pu avoir ces retours d'expérience de ces 11 villes. Maintenant, charge à nous de mettre en place, de faire en sorte que ces projets puissent s'intégrer dans notre cité, dans notre quotidien. Vous avez entendu un certain nombre de questions qui ont émané du public, surtout des jeunes. Savoir comment s'intégrer, ça prouve que dans l'esprit, il y a déjà cette volonté d'ouverture, cette volonté donc de vouloir voir ailleurs. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche, l'Europe au quotidien, une Europe humaine, pouvoir apporter donc des solutions ou surtout donc apporter donc des propositions vis-à-vis donc de notre jeunesse. Ciao.
Ce matin, nous avons principalement travaillé avec les différents partenaires et le thème de cette réunion, qui est la deuxième réunion du projet Citoyens pour l'Europe, c'était de faire découvrir aux populations les différents projets qui pourraient les concerner directement. Parce que très souvent, ce qui dérange les personnes par rapport aux fonds européens, c'est de dire 1, c'est compliqué, 2, c'est lointain, 3, ça ne nous concerne pas. Et là, nous, on a voulu, avec la mairie et l'association Perspective Femmes Avenir, montrer vraiment que c'était des fonds qui nous concerner directement. Donc en fait, c'est l'association PERFA 973 qui est basée à Macouria qui a contacté la mairie afin de savoir si nous voulions nous associer à cette belle aventure européenne. Et donc du coup, depuis mi-juillet, nous travaillons donc sur plusieurs projets, pas seulement le projet d'aujourd'hui, sur la mise en place d'un centre information Europe Direct et la mise en place donc, de ce meeting, le deuxième du projet Tips for EU, voilà, qui devrait être la première pierre, on va dire, de ce projet de mise en place de Cellule Europe à Macouria. Si y a pour un jour mola, si y a pour deux jours mola, si y a pour trois jours mola, ça ne te caga des mots. Aïe aïe aïe, mes mots. Oh, je suis prêt. Aïe aïe aïe, mes mots, ça tout m'a dit pour m'arriver. Oh, aïe aïe aïe, mes mots. Oh, aïe aïe, mes mots. Aïe aïe aïe, mes mots, ça tout m'a dit pour m'arriver. Oui, pendant mon pas est là, pendant mon t'es absent, pendant mon pas est là, ça tout demande pour moi, mon rive. Aïe, 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 même oh, oh, yo, yo, même oh, aïe, 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 même oh, ça tout demande pour moi, mon rive. Oui, a dit fefe, oui, léo, a dit fefe, oui, maman, léo, a dit fefe, oui, léo, a dit fefe, oh, pas pouvoir. Moi pas pouvais dormir. A dit fépé. Oui, Léo. A dit fépé. Oui, maman, Léo. A dit fépé. Oui, Léo. A dit fépé. Moi, un café, mon mal. A dit fépé. Moi, un caboulet, mon mal. A dit fépé. Oui, maman, Léo. A dit fépé. Oui, Léo. A dit fépé. Oui, maman, Léo. A dit fépé. Oui, moi pas pouvais marcher. A dit fépé. Moi pas pouvais dormir. A dit fépé. Moi pas pouvais faire ça. Oui, maman. Mon café, mon mal, mon tête qui a boule, mon oui, maman, Léo, mon pas pouvait encore, mon pas pouvait marcher, mon pas pouvait.